pour une autre série d'infractions, généralement les infractions plus sévères, le procureur aura la discrétion d'orienter l'adolescent vers le directeur provincial pour une évaluation ou de porter immédiatement des accusations à la cour. À ce moment-là, comme tout procès criminel, le procureur aux poursuites criminelles a le fardeau de démontrer que l'adolescent a commis hors de tout doute raisonnable le délit dont on l'accuse. Et l'adolescent pourra faire valoir les moyens de défense qu'il juge appropriés en conséquence. Donc, la Cour entendra les témoins, entendra aussi parfois une preuve d'expert. Si des substances sont en jeu, par exemple de la drogue, certaines analyses vont être soumises. Et le tribunal aura décidé s'il reconnaît ou non l'adolescent coupable de l'infraction.